À présent, la police nationale qui fait sa rentrée, elle est dirigée par le contrôleur général Abdoulaye Sampil. L'homme est titulaire du diplôme de l'école supérieure de police de Paris. Il a fait l'académie de Gangjou aussi en Chine. La mission de la police nationale est chargée essentiellement de la protection des institutions, des édifices publics, de la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, l'établissement des cartes d'identité nationales, des documents. À présent, c'est la Saint-Fils qui arrive. C'est la DCPAF, la direction centrale de la police aux frontières. Juste après, c'est la Saint-Fils qui arrive à présent. La PAF plutôt. La PAF, la direction centrale de la police aux frontières, qui passe avec un peloton féminin, suivi de la direction centrale de la sécurité publique. Avec un peloton féminin, juste après le peloton féminin, arrive toujours le second peloton, cette fois-ci masculin, la direction centrale de la sécurité publique. À sa tête, commandant Fodeba Savané, la Saint-Fils, la compagnie mobile féminine d'intervention de sécurité. À sa tête, lieutenant-colonel Marie-Thérèse Haba. La Saint-Fils, c'est du personnel féminin qui a un savoir-faire en matière de maintien, mais aussi de rétablissement à notre public. Oui, c'est la CMS version féminine. À présent, arrive le tout premier peloton des CMS, compagnie mobile d'intervention et de sécurité, bouclier en position. Transport. Lieutenant-colonel Djibril Camara à leur tête. Toujours, ce sont les CMIS qui passent. Cette fois-ci, avec des boucliers, position, transport. La police nationale est composée d'une direction générale, de l'École nationale de la police et de la protection civile, les directions centrales, l'office de protection du jard de l'enfance et des mères, au prochain on appelait, de l'office de répression des délits économiques et financiers, ORDEF, des directions centrales, la direction centrale de la police aux frontières, DCPAF. La direction centrale de la police judiciaire, DPJ.
la direction centrale de la police routière. La direction centrale anti-drogue. La direction centrale des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Les directions régionales. Les groupements de CMIS. Les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Les commissariats centraux. À présent, ce sont les SPI. C'est un peloton qu'on appelle la section de protection et d'intervention. Deuxième niveau d'engagement et de rétablissement d'ordre public, équipement et matériel de protection et intervention.